Bonjour, allez, je commence par un bataillon des audiences. Donc, bon, bah, hier, il n'y avait pas photo, je vous l'avais prédit. Donc, le capitaine Marlowe a écrasé vraiment tout le PAF. Hein, donc, franchement, à plus de 7 500 000 téléspectateurs. Donc, elle a écrasé donc, le pauvre Good Doctor qui n'a fait que 3 millions et quelques de téléspectateurs, suivi de Épouse-moi mon pote qui a quand même fait 3 millions. Mais franchement, le Corinne Maziero a éclaté tout le monde. Donc, comme elle le dit, faut pas me gonfler les ovaires. Donc, le t-shirt. Je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe qui sera mon site va réouvrir d'ici à peu près 5-6 jours. Hein. Petit programme d'aujourd'hui, donc ce soir vous avez le foot sur la une, vous avez le meilleur pâtissier sur la 6, donc je pense que ça va être le podium, hein, et en 3, je sais pas, on va dire peut-être le truc de l'eau, là on verra bien. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui, et bien Jean-Luc Reichmann était très content, pas trop bien coiffé. Léo, 184 695 euros à son compteur. On a pu voir Julien, puisque bon, bah, Léo a, comment dire, bon, bah, a battu aujourd'hui Julien. Donc, en plus, c'est rigolo parce que sa boulangerie est pas loin de chez moi, mais je sais toujours pas où elle est. Donc, je sais qu'elle est dans le 17e, mais je sais toujours pas où elle est. Mais bon, c'est pas important. Au coup d'envoi, la première question, selon une expression que garde une personne qui reste calme en toutes circonstances. Donc, comme disait Dracula, son sang-froid. Après, vous aviez la jolie Aurélie, franchement, qui dansait super bien. Donc, en plus, elle dit qu'elle va danser tous les jours, mais avec le masque, je sais pas comment elle fait, mais en passant. Alors, au détriment de la sécurité, qu'est-ce que 5% des conducteurs français ont à vous faire tout en conduisant? Donc, il regarde les vidéos. Vous aviez Gaëtan qui était venu avec Maxime et Hugo, ses amis. Alors, pour Gaëtan, quel tube de soprano a été le titre le plus écouté pendant le confinement? Eh bien, c'était à nos héros quotidiens. Après, donc, vous avez le sympathique Laurent qui a fait un joli 12 coups d'une belle étoile, donc en 3D. Donc, c'est vrai que c'était plutôt joli. Alors, à l'âge de 12 ans, petit cubain nommé Fidel Castro écrivit une lettre à Roosevelt, le président des États-Unis, pour lui demander de l'argent. Juste 10 dollars. Après, dans une série policière de TF1, comment se prénomme la juge Nevers interprétée par Marine Delterme? Et bien, bien sûr, c'était Alice. Donc voilà, c'était assez facile pour lui, comme d'habitude.